va commencer à se concentrer. J'ai au moins une dizaine de mes anciens élèves qui sont sur la scène ou qui sont dans les décors ou au montage. Vraiment encore bravo au Carré Bleu, bravo à Raouf. C'est vraiment exceptionnel et c'est toujours un plaisir en fin d'année de venir assister à ce spectacle. Merci. Tout y est, du classique au contemporain, une troupe multi-compétente, si je puis dire. Le Carré Bleu, c'est hybride de la danse, du théâtre, de la musique. Tous les ingrédients, ils sont pour nous tournés vers la vie. La vie, la vitalité, l'énergie. Merci beaucoup pour cette fin d'année. Quelle fantastique expérience que d'avoir pu assister à ce spectacle de la 10e édition du spectacle du Carré Bleu. Vraiment très ravi d'avoir aujourd'hui pu voir ce travail. Une troupe amateur qui livre un travail de professionnel. Très fier de ces jeunes et moins jeunes, ce travail intergénérationnel de fond que fait Raouf et toute sa troupe depuis plusieurs années. Je pense aussi aux personnes du son, du maquillage, de la danse, des chorégraphies et des costumes. Vraiment un travail acharné depuis plus d'un an. Et aujourd'hui, on doit les féliciter. On doit se satisfaire de ce travail qui perdurera encore dans les générations à venir. Superbe spectacle que nous a offert Raouf avec toute l'équipe du Carré Bleu. 10 ans après, on voit l'évolution, on voit la progression et le professionnalisme des uns et des autres. Et la plus grande fierté, c'est de voir autant de familles, autant d'enfants qui, pendant une heure et demie, ont voyé leurs yeux pétiller et on voit la qualité du spectacle avec une petite connotation toute particulière sur l'histoire d'Hérouville. Et donc très fier de pouvoir continuer cette belle aventure culturelle avec, entre autres, eh bien, l'équipe du Carré Bleu. Et ce n'est que la continuité et le professionnalisme qui permettra encore une fois de pouvoir se revoir dès l'année prochaine, en 2022. Nous mettons en place tous les moyens qu'il faut
peut-être pas assez, mais encore une fois, très, très fier d'avoir au moins pu investir sur Raouf Brahmia et toute l'équipe du Carré Bleu. Et on voit le résultat. Donc, très bonne continuation à toute l'équipe du Carré Bleu. Et puis, on se dit, bien sûr, au-delà de tout au long de l'année, à l'année prochaine pour un énième, onzième spectacle et qui donnera la fierté des Hérouvillaises et des Hérouvillais. J'ai beaucoup aimé, c'est comique, c'est extraordinaire, quoi.